Bien ici, sur le continent africain, il est vraiment très important de faire mentir cette citation de Chateaubriand qui disait les forêts précèdent les hommes, les déserts les suivent. La question de la coopération en matière de biodiversité, en matière de lutte contre le changement climatique, en matière de protection des ressources humaines face aux problèmes de l'eau, de l'alimentation, de l'agriculture, des inondations, de la protection des forêts et aussi des ressources naturelles est une question qui concerne vraiment les continents entre eux. Et les priorités qui sont discutées ici sont absolument fondamentales, car elles conditionnent la paix, la stabilité ou les guerres et l'instabilité. Elles conditionnent la production et donc la création de richesses et la lutte contre le chômage, contre eh bien, les violences, les guerres et la désespérance et la pauvreté. Au moment où nous sommes dans la phase où nous allons rediscuter des partenariats entre les États membres de l'Union européenne et le continent africain, plus que jamais, nous devons poser sur la table ces problématiques, nous devons les travailler ensemble dans un rapport réciproque de loyauté, main dans la main. Seule une coopération permettra d'avancer. Et ce dialogue, il est fondamental car rien ne peut être imposé si ça n'est pas discuté et ensuite réglementé.